Et salut à tous les amis, c'est Garnick, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Breath of Fire 3. Alors, comme promis la dernière fois, on va s'attaquer à ce mont, le mont Myrnoth. Alors, j'ai pas réussi à voir Gel, apparemment on peut pas l'avoir, j'ai pas réussi à le trouver en tout cas. Mais en me promenant ici, voilà, je me suis fait agresser par des monstres. Bon, c'était pas cela, c'était des espèces de petits nains, c'est pas normal, mais des espèces de nains, le peuple noir, je crois que ça s'appelle. Et il y avait un mage dans l'eau, et j'ai pas réussi à en retrouver un, mais en tout cas il y avait un mage qui pouvait m'apprendre un sort de feu, donc j'avais pas besoin de reculer si loin. Je lui ai parlé à lui, je vous passe les détails, mais en gros il m'a dit que son peuple, donc les monstres de ce type là, faut surtout pas leur faire de pouvoir de gel, et vaut mieux les cramer. Comme je me suis fait agresser par un des monstres, j'ai testé, et ça marche. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je voulais, les mages noix. Maintenant, on est censé pouvoir apprendre ce sort là, cette attaque là, le double coup, mais j'ai pas réussi à l'apprendre. Bah dis donc. Voilà, je peux apprendre flamme, donc je vais essayer de l'apprendre, c'est flamme, c'est mieux que brûler. Donc on va essayer de l'apprendre. Oula, je vais prendre un peu cher. Alors on va utiliser brûler sur lui parce que c'est plus efficace que d'essayer de taper puisqu'il tape toujours à côté. Voilà. Et pour le mage là, j'espère qu'il va me refaire une flamme. J'espère qu'il va m'en faire une petite flamme. Non, du coup, il va que me taper au corps à corps, hein, forcément. Allez, je veux que ça marche. Mais non, tape-moi pas au corps à corps. Ah oui, flamme. Non, ah. On va y arriver, chers amis, on va y arriver. Je veux avancer dans cette montagne, je veux pas rester ici trop longtemps. Il avait assez de mana que pour faire un seul sort, lui, ou quoi? Allez, je vais le refaire. J'espère que ça va pas durer 10 minutes. Oh, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Il le fait qu'une seule fois son sort, ou quoi? Ouais, hein. Bon, va falloir le taper. Ouh, voilà, ça c'était fait. Ça donne pas mal d'XP par contre. Ça donne pas mal d'XP. Ce que je vais faire, c'est ouvrir le menu et me soigner un petit peu. Je vais prendre une petite plante. Hop. Alors j'espère que j'ai retrouvé un mage. Parce que pour le coup, je veux bien les mages. Voilà. Ouais, je suis passé le premier niveau. Ouais, on va essayer d'aller prendre. C'est comme si j'avais énormément de choix. C'est pas comme si j'avais énormément de choix. On va essayer de le faire tout de suite. Bon, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. Aïe aïe. Flamme. Yes! Point d'interrogation, ça va pas marcher ou je peux pas l'apprendre? Dis-moi pas que je peux pas l'apprendre. Cette compétence on s'apprend pas. Voilà, bon, c'est réglé, je ne peux pas apprendre. Flamme. J'ai perdu un petit peu de temps pour rien. Eh, mais il a une chance de toucher de merde, Ryu, c'est abusé. C'en est presque désolant. Donc on va falloir taper. Pouvoir. Ça va être l'école de la vie cette montagne pour Ryu, je pense, parce que là, dis donc, il prend super cher. À l'attaque. Oh, il se fait esquiver par un mage. Tu veux faire quoi avec ça? Alors, je vais voir, j'avais droppé quelques épées, je vais voir si ça va pas m'aider à. Il aura un petit peu les compétences. Bon,
corps à corps de notre ami Ryu. Et au passage, il faut qu'il se re-soigne. Voilà. Non, c'était équipement. Équiper Ryu. Alors là, il perdrait en force, mais il gagnerait en activité. Je sais pas si trop c'est quoi. Bon, là, ça change rien. Perdre en force, mais gagner en activité. Je sais pas c'est quoi l'activité aussi. Et si je peux mettre un talisman? Il fait quoi? Il fait rien. Bon, je mets le talisman même s'il fait rien. Ouais, bon, ça va pas vraiment m'aider, j'aime pas perdre de la force. Bref. Oh, j'ai vu un truc. Faut que je monte. On monte, on arrive à monter, je pense que c'est bon signe. Je sais pas comment on va redescendre après, mais on verra bien. Pour l'instant, on monte. Ah, on va pouvoir tester le pouvoir. Ils ont dit de surtout pas le geler. Donc on va essayer de le cramer. Et ça fait du dégât. Et il se casse du coup. C'est génial. Ouais, du coup je gagne pas d'expérience, c'est moins bien. Mais je ne prends pas super cher. C'était par là que j'avais vu un... Yes. 200 zénith, ça se prend, surtout si je vais dans une grande ville. Ouh, plein d'oiseaux. Bien sûr qu'ils attaquent premier, ils vont tous me taper. Voilà. Faudrait se venger, Ryu, tu gagnerais du temps. Il va pas le faire. Non, il le fera pas. Encore un petit, et on a terminé. Ouais. Et j'ai peut-être moins que je fasse un niveau avant d'arriver en haut de la montagne. Alors. Ah, par là, ça monte. Continue de grimper. On continue de se faire attaquer, Par... Oh, ça va. En plus, ça prend que un PC, un point de compétence d'invoquer le feu, enfin de faire brûler. Donc ça va, c'est pas cher, on va dire. C'est pas super cher. Voilà, puis en plus, apparemment, ça va tout le coup. Je gagne pas d'expérience, c'est dommage. J'ai fait du combat quand même. Oh! Ouah! Non, pas lui! Vous voyez, c'est qui lui? Pendant que j'essaie de taper sur un buisson. Pourquoi je tape dans le dos? Tu es un fumier! Merde! Minute, j'ai dit. Sundar. Ok, frère, en avant, hein. Dieu. Tu n'es pas mon frère. Ah non. Qui es-tu? C'est un esprit. Pourquoi écris-tu comme ça? Alors là, c'est Balou. Balou. Senda. À l'aide. Ça alors? Il est mort vraiment? Je peux vous comprendre la phrase là. Il vit un zombie. Il est un peu con lui, hein. Balou, il s'appelle lui. Étonnant, il est vraiment vivant. J'ai peur, c'est un vampire. Ah, on progresse après l'esprit, le zombie. Non, je suis un vampire. Mais non, je suis un dragon, pote. Alors, nous ne l'avons pas tué. Non, il est mort comme ton cerveau. Il est mort? Oh! Non! Vous avez quand même tapé sur un gamin. Poignarder un gamin dans le dos. Ils sont courageux les mecs là. Oula! Ils auraient peut-être pas dû faire ça.
Ouh, ça commence à être pas mal. Ce n'est pas un homme, il est invulnérable. Ouais, en combat, c'est pas le cas, hein. Vite, frère, décampons. Attends, minute, frère. Nous avons trouvé notre œuf en or. Ah, qu'est-ce qu'ils vont ici? Ah, ils vont essayer de me revendre ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas un jouet. Une truite. Voilà, on se rapproche de la ville de Vor, qui est beaucoup plus grande que celle de Dubois, beaucoup plus pierre. Bon, au moins ils m'ont fait faire la route, c'est déjà ça. Fort de fort. Ça ne fait aucun doute, votre majesté. Un vrai dragon. Qui sait encore ce fumier? Vous voulez détruire le monde? Je vous amène le dragon. Pouin. Je suis redevenu humain. Là, il a un peu l'air con. Oh non, il est redevenu un enfant. Ah, ils vont avoir l'air un peu con par contre. Taisez-vous, charlatan. Enfermez ces escrocs, voilà comme ça c'est fait. Vous pouvez me libérer? S'il vous plaît, j'ai rien fait. Pourquoi je sens que je vais être enfermé aussi? Oui, bizarre celui-là. Ah ouais, je suis enfermé aussi. Génial. Mais pleure pas, Ryu, pleure pas. Tais-toi! Ne crie pas comme ça, imbécile. Eh, hey, ils ont un bouquin pour sauvegarder. Eh ben voilà. Faut pas s'en prendre au dragon. On va encore rater la compétition. Voilà. Entendu du bruit. Lui, il a rien entendu. Alors, vous avez peut-être pas fait gaffe, mais elle, c'était la princesse. Enfin, la princesse, là, ça a l'air d'être une gamine. Donc, la princesse, la fille du roi, en tout cas. Donc, la princesse, oui. Nina, elle s'appelle. Salut, je suis Nina. Je regrette qu'on vous ait traité comme ça, alors je me suis dit que j'allais vous laisser passer. Cool. Je vais nous laisser partir. Pas toi. Si je te laisse partir, je vais encore lui chercher des bouts. Ah, tu vas encore lui chercher. Je jure de ne plus embêter personne. Ah, j'espère qu'il est pas silicone. Vraiment? Oh non! Mais t'es bête.
Le Bing. Et bah ouais, bah voilà. La princesse rapportera plus d'argent que le dragon, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah, mais bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Et j'ai... Désolé, chers amis, je m'énerve contre eux, mais je peux vraiment pas les saquer ça. Il est temps d'y aller. Comment je vais sortir de là? La porte est verrouillée, que fais-tu? Appelez les gardes, forcez la porte. Sors-toi de ta tête! Aïe! Je veux pas. Ah, en plus d'élan. Sors-toi de ta tête! Bing! Ah bah voilà, c'était pas compliqué. Mal au crâne, non? Allez, Ryu, tu peux le faire. Monstre. Mais avant ça, pillage. Vous trouvez de l'encre. Ah, je crois que ça sert à faire certaines choses plus tard, je sais plus quoi, mais. Fermé, merde. Lui, il a l'air motivé. Je vais sauvegarder. Je vais d'abord faire un petit tour. Ouais, ou quoi, ça? Bon, je vais sauvegarder vite fait. Il n'y en a pas pour longtemps. J'en suis à combien de temps? 17 minutes sur la vidéo. On va essayer d'avancer un petit peu, voir où sont partis ces grands méchants. Essayer de partir à la rescousse de la princesse Nina. Qui est pour le coup un petit peu blonde. J'ai pas d'équipement, je crois. Tu peux rendre. Ah, c'est pas par là. Ils sont là. Mais disons qu'ils vont pas vite, hein. Laissez-moi partir, laissez-moi. Désolé, les princesses, ça ne marche pas. On doit d'abord obtenir la rançon. Pas faux. Encore toi? Oh, je vais encore me prendre une boost. Ah non, pas encore lui. Ouh. Cette fois-ci, on nous zigouille. Mais s'il se transforme en dragon. Voilà la princesse. Il lui fera rien avancer, non? Je peux taper sur la princesse? Ah ouais, c'est pas bête. Ah non, hein. Tu veux faire quoi contre ça? Ah, oh, mais c'est impossible, je t'en prends une dérouillée. C'était normal? Ah, ça va être normal. Tu vas bien? Tant mieux, le médicament agit. Pendant que tu te battais contre eux, j'ai trouvé une cachette. Oh. Donc tu as été très courageux et que tu t'es battu contre eux, j'ai pu m'enfuir, merci. Comment t'appelles-tu? Alors, j'ai un petit problème sur mon pseudo. Ryu? Oui. Dans cette direction, nous allons nous conduire à la ville. Oh, récompense. Nina fait partie de ta troupe. Oh, génial.
Allez, on va aller voir ce que ça donne. Nina fait partie de la troupe. Ah, je vous jure. Oh, on est nous aussi. Hey, comment on monte ici? Où est-ce qu'on a encore tiré? Ouh là 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 là. Où est-ce qu'on est encore atterri, cher ami? Un vol. Ouais, j'ai même pas fait gaffe à quoi le servait la princesse. Bon, t'as pas fort corps à corps, hein. Écris quoi, hein? Sur les mots 7. Fait quelque chose, on verra bien. Alors j'essaie d'avancer parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode et j'aimerais bien. Oulala. J'aimerais bien finir cette petite histoire, cette petite partie du scénario. Alors Nina, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Ah, des attaques, cyclone, gel, secousse. Ah bah là, gel, c'est parfait. Secousse. Ok, bon, je ne pense pas que ce sera nécessaire pour ces petits monstres-là. Faut juste réussir à toucher. Trop peu dur. Pas sur la princesse. Ouh, ça fait mal sur la princesse. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça qu'on tape. Et la princesse, j'ai pas fait gaffe quel niveau elle était, elle. Ah ouais, les niveau 6, c'est bah la dure tard, ma petite. Ah bah ça, lui jouer à la poupée, il fallait apprendre à se battre. Tu m'étonnes qu'elle prend cher. Bon, ben, on va essayer d'avancer. Je sais pas du tout où je vais, je fonce comme un dératé. On verra bien, on verra bien. Je crois que je vais être obligé d'arrêter là avant. Ouah! Waouh, la princesse va mourir. Ah, c'est pas les mêmes. Vol, tonnerre, c'est pas les mêmes. Je fais quoi? Je tente de guérir. Bon, allez, on va tenter de guérir, madame. Ah, qui? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'elle a, elle? Faut aller voir ses équipements. Ah ouais, du coup, ça sert à rien de la guérir. Pourquoi elle a ressuscité? C'était quoi ce bordel? Faut que je voir ce qui se passe. Quoi, du coup, on tape, hein. Le bijou qui ressuscite, c'est génial, ça. Ah, boum, la tête. Alors, oui, il faut que je soigne. Donc, toujours de touche. Objet. Des plantes. Hop. Hop, elle a vraiment rien en point de vie, elle. Et du coup, équipement, qu'est-ce qu'elle avait, Nina? C'était un bijou, non? Ah, mais du coup, elle a peut-être pu. Oh, c'était un one-shot, dommage. Bon, par où faut aller? Faut monter. Ah, peut-être sauter là. Bon, Nina me rejoindra quand elle y arrivera. Ouh, des zombies! Ça faisait longtemps, ça. Ouais, c'est vrai, les zombies sont assez résistants. Par contre, ils avaient tendance à se taper dessus, hein, dans mes souvenirs. C'est ça, ils avaient tendance à se taper dessus. Et en plus, ils sont assez lents, donc ça me donne des attaques supplémentaires, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va pas utiliser de pouvoir sur ça, hein. C'est un peu des monstres de merde. L'avantage qu'ils sont très lents, c'est qu'on les enchaîne. Voilà. 8 d'XP. Ah bah Nina va bientôt faire un niveau. Oh, du coup c'est Ryu le plus fort. Ah, peut-être par là. Non. Mais par contre il y a un trésor. Un médicam. Et là il y avait une petite pente pour remonter. Hop. C'est pas quoi? Beaucoup de mots sont gravés, nanana nanana. Note les mots en rouge, pas les en vert. Ces mots sont en fait des boutons.
Sur quel mot veux-tu appuyer? Rouge. Tombe. Je fais n'importe quoi, hein. Ça n'a rien fait, ok. On va tenter. On va dire rouge. Ce n'était pas une erreur d'escalier, d'ici tu tombes. Sur quel mot veux-tu appuyer escalier? Je te remonte le bon chemin. Sur quel mot veux-tu appuyer? Je bande bon. Non, c'était pas ça. Donc c'était rouge, escalier. Non, en plus c'est même pas ça, c'est escalader. Rouge, escalader. 2. Non. Ah, j'avais une chance sur 3. Une chance sur 3, c'est chiant. Alors, sur quel mot veux-tu appuyer? Rouge. Rouge. Escalader. N'aie pas peur, la sortie est là. Sur quel mot veux-tu appuyer? Peur. Oh, peur, allez hop. Non, c'était pas ça. Je fais n'importe quoi, les amis. Peut-être qu'il y avait des indices sur les autres tombes, tout ça, mais comme j'ai pas pensé à lire. En plus, la première tombe que j'ai actuelle a rien fait. Alors, rouge. Escalader. Jeu. J'ai pris quoi au début? Peur? J'ai vu. Peur. Non. Bon, c'était pas peur. C'est chiant. Alors, ce qu'on veut, et puis rouge. Rouge. Escalader. Rouge, escalader. Je. Je. Me redire pas. Ah, c'était pas ça. Ah, cette tristesse. Il y avait peut-être une logique, hein, chers amis, encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. Rouge. Il va se passer quelque chose au bout d'un moment. Rouge. Escalader. Rouge, escalader, jeu. Du coup là, hop. Ne te perds pas, cherche la trappe cachée. Cachée. C'était pas ça. Je vais péter un câble. Oh là là, c'est chiant. Alors, on va y arriver. Sur quel mot veux-tu appuyer? Rouge. Très bon exercice de mémoire, chers amis. Je dis ça, puis je vais me planter au bout de 5 minutes. Alors, rouge, escalader. Rouge, escalader, jeu. Rouge, escalader, jeu. Et. Rouge, escalader. Rouge, escalader, jeu. Et. Je et père. Non, c'était pas celui-là. Mais pourquoi je trouve pas du premier coup? Allez, on va y arriver. Je pense que c'est le dernier. Je suis sûr que c'est le dernier. Allez, dites-vous avec moi, c'est le dernier. Rouge. Escalader. Je. Et rouge, escalader, je et cherche.
Ce qui est sous toi te conduit à ce qui est au-dessus de toi. Ce qui? Non. Bon, j'aurais probablement fait une coupure parce que je vois qu'on en a plus de 30 minutes d'épisode, donc je vais faire une coupure sur ce machin-là. Enfin, si je me suis pas planté. Mais normalement, vous ne verrez pas tout. Rouge. Escalader. La princesse va s'endormir. Rouge, escalader, jeu. Rouge, escalader, jeu. Je hais ce truc. Ça s'écrit pas comme ça. Rouge, escalader, je hais. Cherche. Alors c'était pas ce qui, c'est sous. Yes. Cherche sous. Ne choisis pas celui-ci, voilà ce que tu cherches. Yeah. Voilà. C'était peut-être pas ça. Ok, bon, mes chers amis. Ah merde, il y avait encore un drôle, j'ai pas eu. Nous avons réussi. Oh là là. On peut filer d'ici le plus possible avant qu'il nous trouve. Vous cherchez quelqu'un? Va voir. Ah, et Typo. Vous allez jamais entendu parler. Mais je vous aiderai à aller chercher. Elle est gentille, celle-là, hein. Mais pas chiante. En tant que membre de la famille royale, je dois aider les gens en détresse. En avant, Ryu. Aïe aïe. Bon, bien sûr, ces belles paroles de princesse un peu blonde. On va se quitter. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Breath of Fire. On est sorti de la prison. On est sorti de la prison. C'est déjà un bon point. On va regarder. Ah, les autres se sont pas tapés dessus. Dommage. Bing. Comment dire. On avance. On avance dans l'histoire. Je me rappelle encore très très vaguement ce qui se passe. Je vous dirai, hein, je pense que je me rappelle à peu près où je m'étais arrêté à l'époque quand je jouais à ce jeu. Ce jeu qui n'a pas perdu de tout. J'ai toujours autant envie d'y jouer. Donc sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Je vais juste voir s'il y a ici. Ou plutôt ce qu'il y a ici. En fait, je veux sortir de ce truc-là. Voilà, un épisode assez long, hein, pour le coup. Bah, ça fait rien. Alors oui, j'ai tendance peut-être à rusher un peu le jeu, mais comme on m'a dit qu'il faisait peut-être 60 heures de jeu, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc je vais peut-être pas tout creuser à fond. Libre à vous d'y rejouer, hein, de pouvoir le trouver d'occasion ou ça. Moi j'ai encore mon CD, j'ai plus de PlayStation, mais j'ai encore mes jeux PlayStation, donc j'ai pu en faire un ISO. À ce téléchargement sur internet, hein, c'est pas ça. Même si je ne vous le conseille pas. Ah, Nina est passée niveau 7, elle n'a rien gagné de spécial, un peu de vie, de PC, de force, d'agilité, d'intelligence. 4 d'intelligence, ouais, bon, c'est une mob ou un sens où on l'a plus compris. Allez, vite. 1-1-1-1-1. Regarde, on lui parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est sur cette musique qu'on va se laisser. Je vous dis merci encore. À la prochaine et salut à tous.